les gens aujourd'hui, on est mercredi 13 juillet. Mercredi 13 juillet. Et nous allons faire dans le Summer Time. Cette fois-ci, on va changer de mode. On va pas faire couleur. On va le faire au marqueur. On va le faire au twin marker derrière. Ça se verra, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, c'est vachement mieux, je trouve. On verra. Ce sera la première fois. Sinon, je referai au crayon de couleur. Alors, pour le rouge, hein, on va prendre ça. Et on va prendre juste le crayon. On va essayer de pas trop appuyer dessus pour que ça fasse plus joli. Donc, elle a quand même un nœud papillon rouge. Hein. Donc, ça va être plus facile pour nous. Ça se voit un petit peu derrière, vous voyez. Ça se voit, mais c'est pas grave. En tous les cas, c'est que ça se transperce. Mais il n'y a pas de colo derrière, c'est ça que je veux dire. Ça va être un peu plus rapide. Là, il y a notre mini rouge aussi. Elle a des chaussures jaunes. Hein. Après, les autres, c'était le seul que je voulais faire en twin marker. Je ferai peut-être au crayon couleur, ça prendra peut-être mieux. Voilà, c'était mon seul truc que je voulais faire. Voilà. Ça donne super beau, moi, je trouve. Hein. Super, super beau. Alors, le nœud, on va le prendre rouge. Automatique. On fera du rose pour sa petite robe. Parce qu'elle a une robe rose, tous les cas. Alors, son... Le papillon. Donc voilà, le papillon. Ici, pareil. Voilà, le petit nœud papillon rouge automatiquement. La bobine, elle sera en rouge, parce que c'est du rouge. Hein. Alors, la bobine, ce sera du rouge. Toutes les deux, automatiques. Alors, pour la robe, ce sera du rose, hein, automatiquement. Les deux. Il n'y a pas une différente par rapport à l'autre. Hein. Là. Petite rouge, voilà, on fera rose comme j'ai dit, donc ça fait ça. Donc vous voyez derrière ce soir, hein. C'est pas grave, mais bon, ça fera un dessin plus. Et la fois prochaine, j'en ferai d'autres crayons couleur, ne vous inquiétez pas. Hop là, on va faire petit bec de la mouette orange, là, un petit, voilà. Nœud ici, on va changer, on va mettre en rouge, un peu joli. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre juste. Ah, attendez. On va prendre les petites. Ça va se voir derrière, mais bon. C'est pour voir ce que ça donnait au twin marker avec. On va mettre la façon comme on colorie, bien sûr. Ça va faire tout le dessin derrière, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est pas ce que je demande, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas ce que je demande au niveau du coloriage, comme ça vient, bien sûr. Vous voyez, ça se voit, ça se fait derrière aussi, donc ça va me faire tout le dessin, mais c'est pas grave, c'est pas ce que j'ai demandé, mais bon. Hop. Hop, hop, on va juste, hop, donc toujours le 13 juillet, voilà, donc, ici,
Donc là, ça va être du jaune. Alors, ici, ça va être du jaune. Donc, ça va être très, très difficile. Là, ça va être du vert. Donc, on va le prendre ici. Alors, le gris, par contre, au niveau des nuages, je pense que la fois prochaine, on le fera au crayon couleur parce que, en fait, ça se voit carrément tout le derrière. Donc, c'est horrible. Même sur les nuages, je pense que ça se voit aussi. Donc, après, c'est fait au crayon couleur. Et juste, je voulais essayer après. Voilà, c'est pas... Voilà. Voici. Après, on va faire rouge sur le tout, sur le moitié. Ce que je vais faire, et je pense que je vais faire ça. Voilà. J'ai peut-être un doute de faire peut-être, je dis bien peut-être. Peut-être faire, alors ici c'est du gris, c'est parce que c'est une sorte de brouillard. Peut-être mettre une feuille par-dessus, une feuille pour protéger l'un des colos parce que j'ai peur que ça transperce l'autre. Donc avec le twin marker, pour vous dire. Donc je vais peut-être mettre un coloriage, peut-être mettre une feuille dessus et puis la coller dessus. Je vais voir comment ça passe. Donc là c'est des nuages. C'est un peu de brouillard, c'est fait exprès. Après le phare, on va essayer de le faire. Voilà, ça fait ça. Je sais pas si vous voyez assez. Voilà, donc on va commencer les petites chaussures de Mini et puis sa robe. Sa robe, je l'ai dit en rose, donc on le fera en rose. Donc on va faire comme ça, on va faire ça comme si. Ils sont bien, les twin markers. Hein. Je dis pas ça pour vous dire, c'est que ça transperce carrément le derrière. Bon, c'est des twin markers, hein, c'est normal. C'est comme ça. C'est la... Comment dire, c'est le papier, c'est comme ça. On peut rien y faire, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai déjà mis en rose. On va faire l'autre côté-ci. Voilà, et ceci. Voilà, donc déjà on a déjà fait mini deux. Donc vous voyez un peu ce que ça donne derrière. Ça se voit un peu, mais bon, c'est pas trop grave en soi. Donc on va faire. Voilà. Donc on va prendre le beige maintenant. Et on va faire le beige, un autre beige. Hein. C'est un Nico Pink. Donc ça va être plus pour le visage. On va faire maintenant. Voilà, donc on a fait les deux. Vous voyez, un peu derrière, ça se voit. C'est pas moi, ça se voit. Heureusement que les... Comment dire, les yeux étaient déjà faits. Bon. Après, on va faire du jaune pour les petites chaussures de Mini. On n'a pas fini encore. Les petites chaussures, on va les faire maintenant. Alors, le jaune, par contre, je vais choisir un autre jaune pour faire... Vous savez ça pour ces petites chaussures. Vous voyez derrière, hein, ça se voit. Alors, par contre, pour tout ce qui est falaise, on va prendre un marron comme ça.
On va le faire comme ceci. Alors, je vais le mettre. Je vais vous mettre dans la vidéo. Je vais essayer. Je dis bien essayer de faire un petit sondage dans la vidéo. Lequel vous préférez entre le crayon couleur ou le twin marker? Comme ça, j'aurai pour la prochaine fois, j'aurai la chance de continuer avec le twin marker ou le crayon couleur. Je sais pas lequel vous préférez. Je pense que la moitié diront que ce sera le crayon couleur. C'est vrai que ça donne mieux. Alors là, on va faire au-dessus, faire du rouge. Alors là, ici, ce sera du bleu. Là, on va prendre du orange. Alors ici, alors on va prendre du rouge un peu plus foncé. Hop, on va faire la maison marron. Hop, ici. Hop. Donc ça fait ça. Je sais pas si vous voyez assez. Donc après, on va prendre un marron pour faire la maison. Ok, après on va prendre un marron ici. Donc là, on a pris le marron pour faire c'était une fourmi qui me dérangeait. Donc on en était au volet. Donc les volets, on va faire jaune comme d'habitude. Toutes les petits volets, on fait jaune. Après, le dark window, donc ça, marron, on fait pareil. Ici aussi, on a oublié, ça c'est des petits trucs marrons. Et ici, on fait toute la maison marron. Ça, on sait que c'est une maison, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. Alors, juste au niveau du... Ça, on va prendre ici, pour faire un gris. Voilà, pareil. Voilà. Donc ça fait ça au niveau du alors on a dit après qu'on mettait du jaune ici. On va mettre du jaune et du vert, vous inquiétez pas. Donc le vert ça va être ici. Alors on va reprendre juste l'orange pour faire ça et le rouge qu'on va essayer de remettre et on aura terminé, vous inquiétez pas. Orange. Je vais vous mettre dans le sondage, vous inquiétez pas, le sondage sera mis. Sinon, je ferai tout en couleur, vous inquiétez pas. Donc cette semaine, on fera peut-être au twin marker pour aller un peu plus vite. Hein. Et puis la semaine prochaine, on verra si on fera au twin marker ou autre. Alors, comme j'ai dit, ici, on met au vert. Vert là. Donc, vert là. Voilà, vert ici.
Voilà, donc ça fait ça. Le vert derrière. Alors, l'orange, je vais mettre en haut. Alors, le vert, on va prendre jaune. Maintenant, on va prendre un jaune du Green Bis. Non, on va prendre du jaune anisé. Du anis. Alors, on va faire ici. Ce sera un jaune assez gris. Ne vous inquiétez pas. Et après, on va faire un bleu. Voilà. Donc déjà, on va prendre un gris pour faire les petites pierres. Voilà. On va prendre comme ça parce que ça va être plus facile pour moi. Hop. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne déjà. Vous voyez derrière, ça fait bien le dessin complet. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut, comme on peut. Hein. Voilà, donc on va faire ça. Ça, ça ne transfère ça. Et on va passer derrière, pas le derrière, mais sur les pierres. Comme c'est la même couleur, on va essayer de faire un peu pareil. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est presque terminé. Après, je vous montre le dessin terminé. Donc, je pense qu'on fera au crayon couleur. Ça, c'est peut-être mieux, je pense. Mais je ferai un sondage, ne vous inquiétez pas. Je mettrai un sondage dans la vidéo. Donc, voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça fait super beau aussi en aquamarqueur. Oh, aux aquamarqueurs. N'importe quoi. Ou twin marqueur. Mais ça se voit derrière, quoi. C'est ça le problème. Mais je pense pas que ça tâchera devant. Mais j'ai un doute. Alors, on va prendre maintenant un bleu. Ça va être le dernier ici. Donc, on va prendre un bleu. On va essayer de prendre un bleu comme ça. Bleu comme ceci. Enfin, c'est celui-ci qui est comme ça. Ou un autre bleu. On va essayer de prendre un bleu assez bleuté. Si j'ai un peu un bleu. Parce que celui-ci, ouais, c'est un bleu vert, quoi. Ouais, je vais prendre un autre bleu. Ouais, c'est du dark gray, donc ça c'est autre chose. Alors on va essayer ça. Un peu sky, on va essayer. Non mais ça c'est du gris. Il n'y a pas beaucoup de bleu en fait, hein, on vous dit, mais ça peut être. Non, je vais regarder, je crois que c'est derrière qui est pareil. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un bleu assez foncé. Ça fera plus joli, je trouve, comme ça. Bon, ouais, ça c'est du vert assez foncé. Il n'y a pas un vert plus clair pour faire un peu un ciel assez. Ouais, bon, on va prendre ça. Ouais, ça fait plus vert que bleu. Bon, on va prendre ça. Allez, on prend ça. On va prendre ça. Bon, on va prendre ça pour faire un assez bleu. Ça fera plus joli. Si ça va plus vite. On avancera un peu plus vite comme ça. C'est la nuit. Faire comme ça. Je peux, on peut faire comme ça. Ça fait plus joli. Alors. Pour tout vous dire, faut que je rachète aussi des twin markers parce que commence à voir dans la réserve. Voilà ce que ça donne déjà, vous voyez. Après, ici, je ferai bien bleu. Je ferai bien deux bleus différents. Parce que ça ferait plus joli, je trouve. Hein, sur le dessin. Pas tout bleu foncé, hein, en tous les cas. Pas tout bleu foncé. Je mettrai un bleu foncé en bas, puis un bleu un peu plus clair en haut. Ouais, ça ferait plus joli, je trouve. Puis ça,
arrangera les choses. Donc voilà. Donc voilà, ça fait ça. Moi, je ferais bien un bleu en bas, un bleu foncé. Et puis en haut, on ferait un... pour vous faire un lacet bleu, voilà, comme ça, et faire un lacet bleu clair en haut, voilà, plus ça, moi j'aurais dit Véroma Blue, ouais, mais derrière le haut, il est aussi pareil, alors moi je ferais un plus un bleu clair, comme ça, voilà, vers un aquamite, on va faire ça pour le haut. Ça serait plus joli, je trouve, hein. Un aquamint, c'est un style assez menthe. Voilà, on fait ça. Voilà, ça serait plus joli déjà. Si on déjà, on aurait moins de. Voilà, ça fait ça, ça fait plus joli, je trouve. Même déjà au niveau coloré, ça fait plus joli. Hop, on va faire ici. Puis après, on va faire la suite donc pour demain, pour jeudi. Jeudi, on fera Donald avec son... son dauphin. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc je vais vous dire comment on fera après. Demain, je vais vous montrer ce qu'on fera pour demain. Donc voilà, on a presque terminé le dessin. Ne vous inquiétez pas, presque. Puis après, on passera au... On passera donc. Pour cette semaine, exceptionnellement, je ferai aux aquamarqueurs. Donc voilà, au twin marqueur. Et puis pour la semaine d'après, on fera peut-être au crayon couleur. Voilà, ça sera plus joli. Voilà. Donc voilà, ça fait ça. Vous voyez, ça fait plus joli. Moi, j'adore. Je valide. Donc voilà ce que ça fait déjà. Donc cette semaine, on fera exceptionnellement au twin marker, comme j'ai annoncé. Je reprends juste un peu le jaune là. Donc voilà. Donc ça fait ça. Alors voilà ce que ça fait. Vous voyez derrière, ça fait tout derrière aussi. Hein, ça se voit. Mais c'est pas grave. Voilà les gens, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire en dessous de la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à demain les gens, salut !